Salut tout le monde, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo très particulière. Voilà, j'ai une annonce très importante à vous faire durant cette vidéo concernant donc une évolution au sein de ma chaîne YouTube et par conséquent un nouveau projet personnel qui s'offre à moi. Alors voilà, j'ai réfléchi dessus hein, depuis maintenant plusieurs semaines et avec le dépassement donc des 15 000 abonnés, je me suis dit que c'était peut-être le moment de lancer ce projet, donc on va le lancer à partir d'aujourd'hui. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps pour dévoiler ce projet, c'est en rapport donc avec ma chaîne YouTube et je vais vous annoncer donc le lancement des souscriptions pour les membres de ma chaîne YouTube. Alors vous devez vous poser des questions, c'est tout à fait logique, hein. Pourquoi notamment je lance ça maintenant, quels sont les avantages des membres, pourquoi rejoindre ma chaîne YouTube et surtout pourquoi je crée cela maintenant alors que la souscription aux membres est disponible depuis maintenant quelques temps. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Bon, d'ailleurs je tiens aussi à m'excuser des fois si je vais regarder un peu en dessous de la caméra, en fait j'ai préparé donc des petites notes, donc c'est pour histoire de me retrouver. Alors tout d'abord, si j'ai décidé donc de lancer la souscription par le bouton rejoindre sur cette chaîne, c'est déjà pour deux principales raisons que je vais vous évoquer désormais. Alors tout d'abord, on va pas se mentir, il y a le point financier qui compte. Hein, vous savez, YouTube me rémunère qu'à travers donc les publicités sur mes vidéos, et c'est ma principale source de revenus de toutes mes activités que je fais sur internet. Et le problème c'est que le taux de rémunération par pub de vues lors de mes vidéos est assez légère, enfin est assez basse, et surtout depuis la crise de Covid, les annonceurs ont baissé leur prix. Donc du coup je vais vous dévoiler un peu combien je gagne actuellement avec YouTube. Voilà, pour une vidéo quasiment par jour, que c'est à peu près le rythme que je fais depuis maintenant quasiment le premier confinement, je gagne entre 100 et 250 euros par mois. Ça dépend vraiment des mois, genre les mois de novembre, décembre payent assez bien, mais par contre tout le reste de l'année c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez me dire, c'est déjà une belle petite somme et j'en suis très fier déjà de toucher ça grâce à mes vidéos, mais vous comprenez que je gagne largement pas assez pour pouvoir continuer à développer au maximum donc tous mes réseaux et tous mes projets. Donc vous en doutez que je peux pas du tout vivre de mes revenus grâce à YouTube, et aussi voilà, ces revenus sont donc assez faibles par rapport donc au rythme de vidéos que j'ai. Après c'est normal aussi, j'ai que 15 000 abonnés, mais bon, ça aurait peut-être été un peu mieux s'il n'y avait pas toutes ces galères de Covid, etc. Enfin bref, pour m'assurer donc un développement plus rapide et plus efficace de ma chaîne et de lancer d'autres projets, j'ai décidé donc d'avoir une source de revenus supplémentaire grâce donc à cette nouvelle fonctionnalité sur YouTube disponible depuis quelques temps via le bouton rejoindre. Et donc c'est une des principales raisons qui m'ont poussé déjà à créer cela, mais ce n'est pas la seule et je vais vous raconter, donc je vais vous expliquer plutôt la seconde. En fait, depuis quelques mois, je réfléchissais à un moyen de soutien pour mes plus fidèles abonnés, ceux qui veulent en tout cas me financer pour pouvoir continuer mon travail et améliorer tout ce travail que je propose, et sans que cela passe par une plateforme du style Tipeee, etc. J'aime pas du tout passer par ce genre de plateforme parce que ça fait vraiment... je trouve qu'il n'y a pas assez de contrepartie disponible et je trouve tout simplement que mon travail ne mérite pas forcément d'ouvrir une plateforme Tipeee. Je pense que je peux ouvrir avec le travail que je fais sur ma chaîne des souscriptions aux membres parce que ça me pourrait me permettre de consacrer beaucoup plus facilement du temps sur ma chaîne YouTube et ainsi pouvoir proposer de tout nouveaux projets que je souhaite mettre en place. Voilà, j'ai plein de projets à mettre sur YouTube. J'ai notamment des idées de vidéos à créer en rapport avec l'histoire et le foot. Ce sont mes deux plus grandes passions et j'aimerais vraiment pouvoir développer ça. Le problème c'est qu'actuellement je ne peux pas prendre assez de temps pour développer tout ça sur YouTube, mais grâce, pourquoi pas, donc au financement via souscriptions aux membres, je pourrais donc pourquoi pas lancer plus rapidement tous ces nouveaux projets que j'ai en tête. Mais aussi ça me permettra aussi hein, de proposer de nouveaux concepts sur FIFA. J'ai plein d'idées autour de FIFA également, mais voilà, j'ai pas le temps de pouvoir me consacrer sur des longues séries et du long montage par exemple. Enfin bref, ce lancement de souscription aux membres sur ma chaîne me permettra surtout de gagner du temps pour développer tout cela et puis également d'atteindre mon plus grand rêve, pourquoi pas vivre de YouTube le plus rapidement possible. Bon, on va pas parler que d'argent et je vous souhaitais aussi désormais mettre en avant donc les avantages que pourraient avoir les abonnés qui feront l'effort de me soutenir et donc de devenir membre sur ma chaîne. Alors il y a plusieurs avantages qui va s'offrir à vous hein, que je vais détailler maintenant. Donc tout d'abord vous aurez des badges de fidélité que vous pouvez donc mettre en avant dans les commentaires et des émoticônes également personnalisés qui seront disponibles. Donc c'est un système assez semblable à Twitch pour les subs par exemple. J'offre également d'autres choses de plus intéressant, on va dire. Je vais déjà
Déjà, un truc assez simple, mais qui pour moi est très important, c'est de vous dédicacer dans mes vidéos. Voilà, quand il y a un nouveau membre, je vais bien évidemment vous citer. C'est quelque chose pour moi qui est important parce que je trouve que c'est quand même la moindre des choses de faire apparaître votre nom au moins une fois dans un contenu que je propose et que vous soutenez. Ensuite, les deux choses les plus importantes à mon avis, déjà un accès en avant-première à toutes mes vidéos. Donc, la plupart de mes vidéos sortent à 18h. Donc, par exemple, les membres pourront l'avoir à 17h. Je mettrai en général une heure avant pour les membres par rapport au grand public. Donc enfin, il y a quelque chose aussi que je souhaitais mettre en avant dans ces avantages et qui me semblait très important, c'est de réaliser une vidéo mensuelle exclusivement réservée pour les membres, où je vous ferai donc un retour sur l'évolution de ma chaîne YouTube par rapport au mois précédent et que je vous annoncerai notamment tous mes futurs projets. Mais aussi, je souhaiterais aussi mettre un système de FAQ dans chacune de cette vidéo. Donc juste avant que je réalise donc une vidéo de ce genre-là, je mettrai un post sur ma chaîne YouTube, vous savez, les posts dans les onglets communauté, un post qui pourrait être réservé donc aux membres où vous allez pouvoir me poser différentes questions par rapport donc à mes projets, à l'évolution de la chaîne et à des questions personnelles s'il y a besoin. Voilà, pour moi, cette vidéo est vraiment essentielle car elle va permettre d'entretenir le lien que j'ai entre les membres et donc moi-même. Et donc de témoigner aussi de mon avancée et de mon travail sur cette chaîne YouTube que ces derniers vont soutenir. Alors ensuite, voilà, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, donc certains pourront se demander pourquoi je mets en place ce nouveau système que maintenant sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait plusieurs semaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'y réfléchissais et j'ai longuement hésité à le faire. La principale chose vraiment qui me redoutait, c'était donc que ce système existait déjà sur Twitch et que voilà, il y a déjà des personnes qui sont sub sur ma chaîne Twitch et donc pour moi, ça pouvait paraître inutile d'avoir ce système et sur Twitch et sur YouTube. Cependant, bah après, voilà, j'ai bien réfléchi et après avoir parlé avec quelques-uns de mes proches, je pense que j'ai pris la bonne décision de lancer donc les souscriptions sur ma chaîne YouTube parce que en réfléchissant, c'est vraiment une véritable opportunité de pouvoir lancer cela. Car non, au final, ça ne fait pas du tout doublon avec Twitch. Voilà, je propose des avantages complètement différents, à part bon, tout ce qui est badge et émoticône. Mais voilà, ça me permet surtout à de très nombreuses personnes qui me regardent que mes vidéos, qui vont pas forcément venir sur mes lives sur Twitch, de pouvoir me soutenir d'une autre façon. Et en plus de ça, c'est vraiment l'endroit où je réunis donc le plus de personnes, surtout mes réseaux. Donc pour moi, il était vraiment intéressant et je pense que tout était réuni donc pour pouvoir vous proposer des souscriptions sur cette chaîne. Donc avant de conclure, j'aimerais parler aussi de quelques petites choses et certains vont peut-être penser donc que je vais mettre de côté les abonnés non membres de ma chaîne au profit donc les personnes qui sont membres. Alors au contraire, rien va changer du tout. Voilà, ça juste en fait si me permettre pourquoi pas d'améliorer mes vidéos comme je vous l'ai dit précédemment. Donc en fait, je ferai toujours une vidéo par jour, rien va changer de ce point de vue-là, toujours visible par tout le monde et tout le monde va pouvoir commenter et interagir avec moi, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est vraiment que du bénéfice de pouvoir lancer cela parce que ça va pour moi pouvoir me permettre, comme je vous l'ai dit pour moi, d'avancer dans ma chaîne YouTube et pour les personnes qui ne vont pas pouvoir devenir membre parce que je comprends très bien hein, qu'il n'y a rien d'obligatoire. Si vous n'avez pas l'argent pour, je comprends très bien aussi. C'est pas pour autant que je vais laisser de côté les autres. Au contraire, ça va vous permettre de voir encore plus de contenu. Enfin bref, ce lancement de souscription me permet déjà dans un premier temps moi de me soutenir un petit peu plus heureux parce que ça me permet peut-être de réaliser plus rapidement mes nouveaux projets et surtout ça me permet de vous donner un moyen à vous, mes abonnés, de vouloir m'aider et d'aider quelqu'un en qui vous avez confiance et en qui vous croyez en ses valeurs. Donc voilà pour conclure, si vous voulez rejoindre donc ma chaîne YouTube et ainsi devenir membre, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui doit être disponible à côté du bouton abonner. Donc voilà, il doit être juste ici quelque part en dessous. Devenir membre va pouvoir vous permettre de profiter des contenus exclusifs que je vous ai détaillés tout à l'heure, mais surtout de me soutenir de la meilleure des manières possibles et de m'encourager dans mes différents projets. Donc pour ce qui est du prix, j'ai fixé le prix à 5 € par mois. Donc voilà, c'est le prix d'un grec ou le prix d'un moitié prix d'un paquet de clopes. Hein. Vous voyez ça comme vous le voulez. En tout cas, ce que je trouve, c'est que le prix est vraiment accessible pour tout le monde. Voilà, j'ai d'ailleurs fixé un seul échelon. Vous savez, vous pouvez choisir à 5 €, 10 €, 20 € et puis de plus en plus davantage. Moi, j'ai décidé de fixer c'est un seul prix parce que je pense que je ne veux pas en tout cas hiérarchiser mes membres. De toute façon, je pense que chaque personne qui soutient doit avoir les mêmes avantages.
Enfin, donc je voulais remercier aussi à toutes les personnes qui vont aller au moins faire l'effort de jeter un coup d'œil à tout cela via le bouton rejoindre. Et tous ceux, je voudrais me remercier aussi d'avance tous ceux qui me feront confiance et qui voudront donc me soutenir à travers ce bouton rejoindre. Donc voilà, cette vidéo d'annonce touche à sa fin. Donc si vous avez encore des questions sur ce nouveau projet, n'hésitez pas donc à me les balancer dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde comme j'ai l'habitude. Merci en tout cas de votre compréhension, de votre soutien et surtout d'avoir visionné donc cette vidéo. Je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil sur le bouton rejoindre et de ne pas hésiter à lâcher le petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous venez de me découvrir, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis on se retrouve très rapidement donc sur ma chaîne YouTube. À la prochaine, c'était Yaya, la bise.